Eh bien bonjour à tous les amis, regardez, aujourd'hui nous sommes sur Ark, et oui, c'est le début de cette grande aventure, ça va être incroyable, franchement, je pense que ça sera peut-être l'une des plus belles séries, franchement je sais pas, mais je suis trop content. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille directement se créer la partie, let's go! Oh là 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 là, attention, chargement. Bon, j'ai déjà joué à Ark un petit peu, je vous avoue, j'ai déjà... je connais un peu les bases, on va dire. Mais franchement, c'est vraiment le minimum du minimum. Du coup, va falloir vraiment que vous m'aidez dans les commentaires pour que je puisse... Bah, quand en fait, on va avoir des défis ou des choses à faire, faudra vraiment que vous m'aidez parce que j'ai jamais été très très loin dans l'aventure. Enfin, je sais vraiment la base des bases. Du coup, c'est pour ça que j'ai tellement hâte de découvrir ce jeu. Vraiment, en profondeur, ça va être beaucoup trop bien. Bon, là, du coup, on va devoir se créer notre survivant. Bon, déjà, on va l'appeler Drix, hein, on va pas s'appeler humain. Déjà, on va changer un peu la couleur. On va se mettre comme ça, voilà. On va essayer de faire un personnage qui nous ressemble un petit peu. Bon, je suis pas aussi musclé, hein. Du coup, ce que je vais faire, c'est que visage supérieur. Après, vous savez quoi? En vrai, mon personnage, moi, il me plaît bien comme ça. Moi, il me plaît bien. On a le choix aussi avec une fille, en vrai, je sais pas. Ah, c'est stylé, c'est trop drôle. Mais bon, écoutez, on va faire... On va rester comme ça, ouais, on va rester comme ça. Ah oui, c'est vrai, on peut choisir une zone pour spawn. Bon, on va spawn ici et on va bien voir ce qu'on peut faire. Oh! Probablement, je l'espère. Oh, ça, c'est nouveau, ça. Cela fait tellement de cycles que je ne suis plus elle. What? Qu'est-ce que c'est que ça? Suis-je encore capable de ressentir l'espoir? Oh, je ne croyais plus à ton arrivée. Wow. Les chances commençaient à s'amenuire. Ouais, wow, j'arrive même pas à lire. Je suppose que j'ai perdu espoir, tandis qu'il gagnait en puissance. Waouh. Tu dois me rejoindre. En fait, je regarde en même temps et j'ai du mal à lire. Tout repose sur ta survie. Waouh. Maîtriser ce monde, fait de ces nombreuses créatures de précieux alliés. Développe ta force et tes connaissances. Explorer cet endroit comme je l'ai fait il y a si longtemps. Traverse ces épreuves et retrouve-moi survivant. Wow! Tu es peut-être notre seule chance. Oh là 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 là, ça annonce que du bon. Oh là là. Mais ça, c'est complètement nouveau, ça. Wow! Ah ouais. Oh là là, regardez-moi cette beauté. Bienvenue dans le monde des dinosaures. Incroyable. Waouh, c'est tellement beau. Non, c'est vrai que franchement, c'est magnifique. On peut déjà voir des pteranodons qui volent dans les airs là-bas. Waouh. Oh, c'est magnifique, c'est magnifique. Oh là là. Franchement, trop content d'enfin commencer cette aventure. Franchement, trop content. Ça me fait tellement plaisir. Bon, on va commencer déjà par prendre un peu de bois et tout pour pouvoir s'équiper un tout petit peu. Oh, qu'est-ce que c'est que ça, par contre? Costume de raptor. Oh ouais, on a des skins. Oh ouais, non, mais ça, c'est nouveau aussi, dans les skins. Ça me donne... Enfin, j'ai pas de souvenir, en tout cas, du moins, des skins. Oh, nouveau niveau disponible directement. Donc là, on va pouvoir mettre des points de compétences dans nos compétences. Du coup, je pense qu'on va augmenter la vie. Parce que la vie, en vrai, ça va nous servir un peu au début, mais surtout le poids, l'énergie. Enfin, vraiment, tout est important, je trouve, dans le jeu. Tout est beaucoup important. Et oui, là, on a les points d'engramme. Donc c'est vrai, à chaque fois qu'on passe un niveau... Et qu'on ajoute un point de compétence, on va avoir des points pour débloquer des nouveaux crafts. Et ben écoutez, je pense qu'on va se faire une petite lance et une petite hache en pierre. Comme ça, on va pouvoir tuer nos premiers dinosaures. Et attendez, ça, c'est un skin. Ah bah oui, mais du coup, pour la lance, on va pouvoir mettre les skins et pour la hache aussi. Oh ouais, c'est stylé. Mais c'est peut-être un skin où on peut l'utiliser. Non, on peut pas l'utiliser encore. Ok. Bon, et ben écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un peu de bois, etc. pour pouvoir se faire une petite pioche et prendre un peu de nourriture aussi. Là, on a des berries, des fibres. Ouais, donc ça va être ultra important aussi pour l'aventure. Du coup, normalement, on peut se fabriquer notre première pioche. Ouais, voilà, let's go! Première pioche de l'aventure, pardon. On va la mettre en bas directement. Et ça, ça fait plaisir. Oh là là, je suis tellement content. Regardez-moi cette beauté, là. Les pteranodons qui volent, etc. C'est vraiment magnifique. On va prendre un peu de silex. Normalement, on va pouvoir faire notre hache. Super, parfait, on peut faire la hache. Ah ouais, là on a notre barre d'XP en bas à droite aussi. Donc en vrai au début je pense qu'on va XP quand même assez rapidement. Je sais pas comment... Ah c'est comme ça qu'on met le skin, ok, parfait. Et vous savez quoi, on va se faire la petite lance aussi, on va se faire la lance.
Comme ça, si on trouve un petit dinosaure ou quoi à détruire sur le passage là, qu'on peut dégommer, et ben on va le dégommer directement. Comme ça, on aura de la peau, on aura de la viande aussi pour se nourrir. Et comment ça, on a obtenu du métal? On a obtenu du métal déjà, comment c'est possible? Et ben écoutez, là, je pense que le point qu'on vient d'avoir avec l'XP, ben, je pense qu'on va le mettre dans la vitesse. Écoutez, on va améliorer un peu la vitesse. Après, la vitesse, c'est peut-être pas forcément le meilleur truc à faire. Parce qu'en vrai, on aura des dinosaures qui vont nous permettre d'aller assez vite. Après, il y a eu énormément de mises à jour. Donc, ça tombe, il y aura des dinosaures complètement cheatés. Enfin, franchement, je sais pas du tout. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'équiper la lance. Et on va voir s'il n'y a pas les petites poules par terre, là. Il n'y a pas des petites poules. Des petites poules qu'on peut dégommer facilement au début, là. Mais franchement, comme je vous ai dit, je connais vraiment les bases du jeu. Mais j'ai jamais été très très loin dans une aventure arc ou quoi, genre vraiment, mais pas du tout. Du coup, ça me fait extrêmement plaisir. Vous savez quoi, on va se balader aussi. Oh, là-bas, il y a la poule que je disais. What? Je crois que ce dinosaure-là, par contre, il a pas l'air très gentil. Hein. Je pense qu'on va éviter de se rapprocher là-bas. On va se faire dégommer dès le début, on va éviter de... Oh non, en plus, il se rapproche. Il se rapproche vite. De toute façon, je voulais pas trop m'installer ici. Ça me plaît, mais bon, c'est pas non plus... Je sais pas, j'aime bien, mais je suis pas non plus très fan de l'endroit. Par contre, on va faire attention dans l'eau. Parce qu'on sait jamais s'il y a des giga requins ou quoi, je sais pas du tout. Oh là là, ça me fait flipper. Mais déjà, là-bas, il y a un gros dinosaure. Je sais pas c'est quoi ce dinosaure là-bas. Il a l'air de tout dégommer sur le passage. Il a pas l'air très content. Il est en mode de, ouais, si tu t'approches, toi, crois-moi, je vais te défoncer. On va éviter de se rapprocher du coup. Et on va aller voir un peu là-bas s'il y a pas un endroit qui nous plaît. Le problème, c'est que j'ai peur parce que je sais qu'il y a des zones où il y a des dinosaures plus ou moins agressifs. Du coup, j'ai pas trop envie de m'approcher du milieu. Genre, vraiment, ça m'inspire pas confiance, quoi. Hein. Ça m'inspire pas confiance. On va avancer, on va se faire dégommer directement. Du coup, on va éviter d'aller en plein milieu. Mais moi, de toute façon... Oh, là, il y a deux... Ça, c'est les dinosaures qui crachent du venin. Il y en a trois ! Quoi ? Non, mais attendez, mais là, on va se faire dégommer, là. Ouais, bon, on va peut-être passer sur le côté en mode de... What? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est exactement ce que je vous disais, il y a un giga requin. Mais à quel moment il y a un requin juste ici? Comment c'est possible? Quoi? Non mais attendez, mais c'est abusé. Il y a un requin, il y a même pas 3 cm d'eau. Il y a un giga requin là-bas, là. C'est quoi ce délire? Je vois un aileron qui dépasse de l'eau. Je me dis, non mais c'est quoi? Et il y a un requin, je crois il s'est échoué. Oh là là, c'est n'importe quoi. Oh ouais. Dites-vous, j'ai jamais exploré les fonds marins ou quoi de Ark. J'ai jamais rien fait de spécial. Hein. Waouh. Ça va être insane. Par contre, on va peut-être manger un peu. Parce que je vois que je suis déjà en manque de nourriture. Hein. Du coup, on va prendre quelques baies. Je sais que par exemple, les narcoberries, c'est des baies qui sont faits pour endormir les dinosaures. Je sais que ça sert un petit peu à ça. Donc, on va manger un peu de baies. Bon, après, c'est pas ce qui nourrit le mieux, les baies. Hein. Faudra faire un feu de camp pour cuire la viande après. Mais j'essaye de trouver un endroit un peu sympathique. On va aller voir par là-bas s'il n'y a pas... Enfin, on va longer la mer, quoi. On va longer l'océan. Et voir s'il n'y aurait pas un endroit qui nous plaît pour pouvoir s'installer durant l'aventure. Bah, il faut un endroit assez plat avec un endroit... En vrai, ça a l'air magnifique ici de ce côté, attendez. En plus, il y a le gros truc. Oh ouais, ça c'est stylé. Je sais pas à quoi ça sert, mais en tout cas, c'est magnifique. En tout cas, c'est magnifique. Ça, j'ai jamais compris à quoi ça servait. Genre, à chaque fois, il y en a plein, mais je sais pas ça sert à quoi. Bon, lui, on va essayer de... Ah non, faut esquiver le venin. Oh, non, il nous a envenimé. Ok, on voit plus rien, c'est pas grave, on va le dégommer quand même. Allez, vite, viens par la mer. Oh non, je crois qu'on va déjà mourir. Oh non, il y en a deux. Non, laisse-moi tranquille. On va lui jeter la lance. Oh non, il est parti, c'est bon. Oh non, on est déjà mort. On vient à peine d'arriver, on s'est déjà fait dégommer. Bah, par un petit dinosaure en plus. Oh là là, bon, c'est pas grave, on va aller récupérer le stuff. C'est pas grave. Non, mais on s'est déjà fait dégommer par un petit dinosaure. Bon, en vrai, c'est pas grave, on a quand même pris un niveau. Écoutez, c'est peut-être pas mal. Hein. Par contre, ah ouais, c'est vrai, je passe dans l'eau, mais il y avait un giga requin tout à l'heure. Oh, il est juste là. Oh, il arrive. Oh là là là, mais ça avait pas l'air d'être un dauphin. Enfin, d'être un requin, on dirait plutôt un genre de dauphin, je sais pas, c'est un peu trop bizarre. Bon, on va repartir du coup, on a perdu notre stuff, on est mort, on va essayer de le récupérer. Mais j'avais pas vu qu'il y en avait deux, moi, des dinosaures qui crachent du venin, là. On a aussi pris un point, enfin, on a passé un level, du coup, on va mettre aussi dans l'énergie, vous savez quoi. Et on va se prendre les premières fondations avec les murs.
Écoutez, ça peut être pas mal. On a encore 3 points. Bah, on va les garder pour un prochain craft. Je sais pas encore quoi utiliser. Du coup, go retrouver notre stuff. Parce qu'on s'est déjà fait dégommer dès le début, genre. Mais je pensais qu'on avait esquivé le venin, mais non. Ah, je crois que mon stuff est là. Ah non, je crois que c'est la traînée dans le ciel, mon stuff. Non, je sais plus. Ouais, je crois que c'est ça. Ah oui, parfait. Ok, on va aller le récupérer. J'espère qu'il n'y a pas le dinosaure à côté. Sinon, ça va être compliqué hein, pour le récupérer. Oui, il est juste là. Il est en mode... Ouais, viens. Regardez mon cadavre. Je me suis fait dégommer. Oh non. Je peux pas... Ah non, je vais devoir vraiment tout... Ah non, je peux tout transférer comme ça, parfait. Ok, on va essayer de le dégommer. Il était où? Viens par là, toi. On va lui jeter la lance en pleine tête. Boum, je l'ai touché. Oh non, mais maintenant, j'ai plus de lance. Ok, vite, faut construire la lance. Oh, il arrive. C'est bon, je l'ai bloqué avec l'arme, c'est bon. Viens là, toi. T'échappe pas. Oh. Faut esquiver le venin, sinon après, on va plus rien voir. Let's go. On l'a dégommé, voilà. Comment ça, tu me détruis dès le début de l'aventure? Comment ça? On va récupérer la peau, tout ce qu'il y a sur... Est-ce que je peux prendre la peau sur mon cadavre? Oh ouais, ça fait de la viande. Bon, bah avec plaisir. Écoutez, moi, je vais la prendre. Et en vrai, moi, cet endroit, j'aime beaucoup. C'est magnifique quand même. Au moins, on aura un espace d'eau pour nos dinosaures aquatiques. Ça, en vrai, ça peut être stylé ici. Moi, j'aime beaucoup. Hein. Moi, franchement, ça me plaît. En plus, on a un peu de trucs sur les collines et tout. Franchement, c'est stylé. J'aime bien. On va... Bah écoutez, je pense qu'on va s'installer ici. On va peut-être faire nos premières fondations et commencer à s'installer. J'aimerais bien remettre le skin sur ma lance. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le point dans... Bah je sais pas trop en fait où le mettre le point de compétence. Hein. Je pense qu'on va le mettre dans le poids, écoutez. On va le mettre dans le poids. Waouh, on a déjà débloqué une selle de Pioma. De Pioma, ouais, je sais pas du tout ça sert à quoi. Mais écoutez, pourquoi pas. On va se prendre la caisse de stockage et on va commencer à faire nos premières fondations et faire notre premier feu de camp, ça serait pas mal. Il nous faut un peu de branchage, si je dis pas de bêtises, c'est avec la pioche. Ouais, parfait. Perfecto! Je pense qu'on va s'installer ici pour l'aventure, ça peut être pas mal. Après, peut-être que d'ici là, on va trouver un endroit magnifique dans l'aventure, je sais pas du tout. Mais du moins, cet endroit me plaît beaucoup. Parce qu'on a un grand espace d'eau. Ici, on a l'air d'avoir quand même pas mal d'espace pour construire. Et moi, franchement, j'aime bien. Hein. Franchement, ça me plaît. On va peut-être essayer d'aller voir un peu plus derrière. Ça tombe, il y a un endroit... qu'on préférerait, je vais juste aller voir vite fait. On sait jamais. Parce qu'en vrai, j'ai jamais exploré la map, donc ça tombe, il y a des endroits genre vraiment magnifiques. Regardez là, c'est beau ici, franchement, il y a de quoi faire. Hein. Franchement, c'est... Oh oui, là, c'est trop joli. Waouh! Non mais attendez, on va se mettre ici en fait, c'est trop joli là. Là, j'aime beaucoup hein, ce petit endroit là, j'aime beaucoup, c'est super beau. Non, vraiment, je pense qu'on va se mettre ici. Hein. Écoutez, on va se mettre là-bas. Juste... Parce que là, ici, c'est un peu en pente. Je sais pas si on va réussir à construire. C'est ça, le problème. Oh non, je suis déjà déshydraté. Vite, faut aller dans l'eau. On est en train de mourir de soif. Ah oui, c'est vrai. Bah, on va construire vite la gourde de peau aussi. La gourde. Comme ça, au moins, on va pouvoir... C'est avec de la peau, ça. Ah non, c'est des fibres. Comme ça, on va pouvoir s'hydrater facilement. Parce que c'est vrai que ça, c'est un problème au début. Hein. L'hydratation n'a pas forcément les meilleurs outils pour s'hydrater et pour se nourrir. Du coup, on va la construire vite fait, comme ça, au moins, on pourra se nourrir d'eau, en fait. Enfin, on pourra boire, se nourrir d'eau, comment ça? What? Est-ce que je suis en train de boire ou pas, là? Non, ma goutte d'eau, elle se remplit pas. Il faut peut-être que j'aille plus dans l'eau. Waouh, c'est super grand! Oh, ouais! Waouh, je savais pas que c'était aussi grand, là. Non, mais attendez, mais... C'est aussi grand que ça, c'est aussi profond. Non mais c'est abusé là. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la gourde ici. Normalement, on peut la remplir directement comme ça. Est-ce que la gourde est remplie? Non. Ah oui, là c'est bon, parfait. J'ai entendu le petit croc. C'est bon, ça veut dire qu'elle est remplie. Eh ben, on va commencer à poser nos premières fondations ici. On va commencer à les poser là. Je pense que c'est pas mal. Vous me direz si ça vous plaît ou pas. Moi, je pense qu'on va les poser là, comme ça, directement. Ici, c'est parfait. Hop. Bon, après, c'est déjà un peu limite. Hein. Regardez, on peut déjà plus trop poser. Je vais essayer de les récupérer si possible. Ramasser. Parce que ça a l'air un peu trop limite ici pour construire. Du coup, on va essayer plus de se mettre comme ça. Tac, on va poser ça ici. Parfait. Ok, super. Bon, j'ai déjà plus de fondation. Hein. Ça coûte cher. On va voir. Ah ouais, par contre, les skins, si je les récupère à chaque fois, ça va être un peu embêtant. Moi, je veux plus des skins là. Je les ai déjà utilisés. Je peux pas les jeter. Si on peut les jeter, on va les jeter, parfait.
On a même des skins de dinosaures. Animated série. Ah ouais, on a des skins de dinosaures. Ok, c'est stylé, pourquoi pas. Bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se crafter encore une fondation, un feu de camp. Donc il nous faut 16 de pierres. Oh oui, non mais ça coûte cher les feux de camp. On va récupérer les pierres sur le sol, au moins c'est rapide. Il nous en fallait 16, on va faire ça. Comme ça, on va pouvoir mettre notre viande à chauffer parce qu'il faut se nourrir. Je vois qu'on a déjà faim. Du coup, on va se dépêcher de faire chauffer notre nourriture dans le feu de camp. Allez, go, go, go. Enfin, je suis tellement content de faire cette série. Genre, vraiment, ça va être incroyable. C'est un jeu qui est super... Bon, il est peut-être un petit peu mal optimisé, etc. Mais franchement, il y a des bugs et tout. Mais ça reste un jeu incroyable. Il y a aussi les extensions. J'ai jamais découvert une seule fois les extensions. Comme je vous dis, de toute façon, j'ai pratiquement jamais fait de vraie survie sur Ark. Hein. Et là, on est déjà passé level 5. Ah ouais. Mais écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre dans... On va mettre dans l'énergie encore. Écoutez, moi, je vais avoir de l'énergie, là. Je veux de l'énergie. Je sais pas si on prend le sac de couchage. Ouais, c'est à usage unique. Bon, je sais pas. Peut-être qu'on va débloquer quelque chose d'un peu mieux après pour dormir. Il nous faut quelques fibres pour les fondations. Je vais aller chercher ça directement. Hop, quelques fibres. On prend des fibres. Parfait. Normalement, c'est bon. On va pouvoir faire notre fondation. Super. Et la caisse de stockage, il nous manque du bois et du branchage. On va aller chercher ça. Un petit peu de bois et un petit peu de branchage. Oh, ça va être tellement magnifique. Oh, j'ai tellement envie de prendre un premier dinosaure là déjà. C'est quoi ce dinosaure là-bas? Ah oui, ça c'est un parosaure, je crois. D'après mes souvenirs, c'est un parosaure. Et ça, c'est, bah, c'est inoffensif, je crois. Je crois. Hop, on va poser la fondation là. Et en vrai, c'est déjà pas mal là. Regardez notre base. Incroyable. Waouh. Incroyable. Je viens de voir... C'est un serpent que j'ai vu ou quoi se balader dans le sol, là? J'ai cru voir un serpent. Non, mais... C'était quoi? Moi, j'ai peut-être rêvé. Non, mais attendez, j'ai eu trop peur, là. C'est un dinosaure, ça. Je rêve pas, là. Non, c'est une plante. Oh non, mais j'ai eu trop peur. Bon, alors, pour la caisse de stockage, est-ce qu'on a assez? Ouais, parfait. Yes, on a assez. Super. Hop, on va pouvoir la poser. Comme ça, on va pouvoir mettre un peu ce qui nous sert à rien... dedans, hop, on va la poser ici pour le moment. De toute façon, c'est pour le début. Je vais pouvoir mettre ma viande à chauffer normalement, non? On a 33 de viande. Hop, on va faire ça. Normalement, on peut allumer le feu de camp. Waouh, regardez, c'est pas magnifique ça? Magnifique. Waouh, là j'ai chaud. Hop. C'est vrai qu'on peut perdre de la vie avec le chaud et le froid. Hein. On peut perdre de la vie avec le chaud et le froid. Ah, mais du coup, j'ai les doubles skins. Je vais les jeter aussi, ceux-là, c'est pareil. Je vais faire ça. Tac, je sais pas comment les jeter. C'est haut. On va les jeter, voilà, parfait. Qu'est-ce que c'est que ça en vrai? Je sais pas du tout. Écoutez, on va essayer d'agrandir la base un petit peu sur les côtés, ça serait pas mal. Je vais aller chercher un peu de branchage et un peu de bois. On va faire ça directement, voilà, du branchage. Les arbres qui tombent. Je sais pas si les arbres repoussent. Franchement, j'en sais rien. Hop, parfait. Est-ce que normalement on peut faire 2, 3... Ah non, je peux pas. Ah oui, il me manque de la fibre. C'est vrai. Non mais c'est déjà, ça coûte déjà tellement cher les premières fondations. Non mais j'imagine pas les prochaines. Hein. Waouh. Ça coûte tellement cher. Je pense que je peux rester appuyé. Ouais, parfait. Je peux rester appuyé pour farm, c'est beaucoup mieux. Mais c'est vrai, plus tard on aura des dinosaures. On pourra farm avec eux, ça sera tellement plus rapide. Waouh. Je peux me faire une lampe torche aussi. Pourquoi pas. Ah oui, c'est vrai, je peux craft aussi. Enfin, je peux prendre des nouveaux crafts. Hein. C'est vrai, j'en ai pas pris, mais je peux... Je peux me faire quelques... Ah oui, on peut se faire une armure. En vrai, ça peut être intéressant. Écoutez, on va peut-être essayer de se faire une armure. Je viens de siffler. Comment j'ai fait ça? Je sais même pas. Attendez. Ah, c'est U. Ok, bon, je sais pas ça sert à quoi. Mais bon, je peux siffler. Et hop, on va poser tout ça ici. Parfait. Let's go. Et pour faire mon armure, il me faut de la fibre et de la fibre. Est-ce que j'en ai pas mis ici de la fibre par hasard? Ah non, bah j'ai rien stocké de toute façon dans le coffre. Bah les B, on va les mettre dedans. De toute façon, ils nous servent pas à grand chose pour le moment. Est-ce que... Là, j'ai de la viande qui a chauffé. Ouais, parfait. J'ai de la viande qui a chauffé. Et on va aller chercher un peu de fibre pour continuer notre armure. Enfin, pour se faire notre armure déjà. J'ai faim, je crois. Ouais, j'ai faim. J'ai faim et j'ai soif. Du coup, je vais boire et je vais manger. Ah ouais, mais je sais pourquoi j'ai soif. J'ai soif parce que j'étais à côté du feu. Let's go! Niveau 6. Parfait. On va augmenter... Bah on va augmenter notre compétence d'artisanat, ça fait... C'est peut-être pour crafter un peu plus vite, vous savez quoi, on va le mettre. Je sais pas si c'est intéressant au début, mais écoutez, on va le faire.
Et là, on peut faire... Ah oui, mais regardez, c'est ce que je disais tout à l'heure, on peut faire un meilleur lit. Ah ouais, du coup, ça... Ah oui, pour faire le lit, j'avais besoin de prendre le sac de couchage, du coup, ça m'a utilisé plein de points d'engrammes. Ah ouais. Ok, bon, bah pourquoi pas. On va essayer de se craft le lit aussi. Je pense que ça peut être pas mal, se faire déjà l'armure et le lit. Ça pourrait être cool, il nous faut de la peau et du branchage. Du coup, on va devoir se détruire un petit dinosaure. On va se faire notre armure, on va aller dégommer un petit dinosaure passif. Tu vas pas me détruire parce que bon, j'ai pas envie de remourir moi. Il y aurait pas une petite poule inoffensive là sur le côté, quelque part, que je peux dégommer. Normalement, je peux faire mon armure. Ok, il me remanque de la fibre déjà. Et il me remanque déjà un petit peu de fibre. Parfait, on va prendre ça. Super. Un petit peu de fibre. Et normalement, je crois que je peux terminer mon armure. Yes, super. On va mettre ça ici. On va attendre qu'elle se construise. Ah oui, du coup, à chaque fois qu'on craft aussi, notre point, enfin notre barre d'XP augmente. Enfin, c'est un peu le principe. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas de dinosaures que je peux dégommer facilement ici. Hein. Écoutez. Est-ce qu'on n'essayerait pas de dégommer cette tortue là? Parce que je crois qu'elle est inoffensive. Elle est niveau combien? Attendez. Niveau 10? Ouais, non, on va peut-être pas. Bon, en vrai, je sais pas si on peut la dégommer. Hein. Ça tombe, c'est elle qui va nous dégommer en fait. J'ai trop peur. On va essayer de voir s'il n'y aurait pas un petit. Une petite poule. Une petite poule pas loin là qu'on peut détruire. Les petites poules, venez par ici, je vous attends. Oh, parfait, il y a la petite poule. Parfait, c'est exactement ce que je cherchais. Viens par là. Oh, il y en a deux en plus. Il y en a deux. Ça va être notre source de nourriture et de. Ah, mais il y en a plein en fait. On va les dégommer, hein. Je suis désolé. Les petits dodos, on va vous dégommer, les pauvres. Ça va être les petits dinosaures du début là qui vont nous aider. Oh non, ma lance, elle a déjà cassé. Bon, les lances, elles sont pas très solides, les lances. Hein. Il y en avait encore une autre là. Je vais essayer de la dégommer. Ah, je suis fatigué déjà. Pourquoi il court lui? Il s'est fait attaquer ou je rêve? Les petits dodos, hop, parfait. Et normalement, je crois qu'on va pouvoir construire notre lit d'après mes calculs. Alors, est-ce que c'est bon? Ah non, je peux pas. Il faut de la fibre et du branchage. Quoi? Il me faut 80 de branchage. Non, mais ça coûte super cher. Ça coûte super cher. 80 de branchage. Bah écoutez, on va aller prendre ça. Hop. Oh non, mais ça va super vite en fait. Je pensais que ça allait être plus long que ça, mais non, ça a été ultra vite pour prendre le branchage. On va prendre la fibre. Et bah écoutez, en vrai, c'est cool, on a déjà bien avancé, on a pu commencer à faire la base un petit peu. On s'est fait un petit peu d'armure aussi. Un petit peu d'armure. Et on est déjà passé level 6 aussi, c'est vrai que ça va quand même assez vite. Et on est déjà presque level 7 même, presque level 7. On va poser le lit. De toute façon, on va le poser en attendant comme ça, hein. C'est vraiment... De toute façon, la base, elle va s'agrandir au fur et à mesure. Super parfait. Je vais peut-être remettre de la viande à chauffer et on a encore level up. Ça va tellement vite à level up au début. Waouh, comment j'ai fait pour changer de vue? Je sais pas du tout, j'ai changé de vue, je sais pas. Ah, c'est K, ok. Oh, on peut se voir, c'est incroyable. On peut même prendre les outils. Ouais, c'est moi le survivant. C'est trop drôle. Ah, je savais pas qu'on pouvait faire ça. On va voir un peu ce qu'on peut craft du coup de nouveau avec ce niveau 7. On va mettre dans la nourriture, comme ça on pourra stocker un peu plus de nourriture. On peut faire un lance-pierre, nécessite des pierres comme projet. Ah, c'est pour assommer! Donc, à mon avis, ça pour avoir nos premiers dinosaures. Enfin, ça va nous servir à endormir nos premiers dinosaures. Je crois que les narcotiques aussi, d'après mes souvenirs, c'est pour laisser les dinosaures endormis. Et ben là, on a une massue, un drapeau, je sais pas à quoi ça sert, la marmite non plus. Et une boussole et une longue vue, une torche sur pied. Bah écoutez, je pense qu'on va prendre le lance-pierre, comme ça dans le prochain épisode, on pourra avoir notre premier dinosaure. Enfin, du moins, on va essayer d'avoir nos premiers dinosaures. Ça pourrait être cool. Du coup, on va se prendre les narcotiques. Je vais voir, ça coûte quoi pour craft les narcotiques. Bah, je peux pas craft les narcotiques. Je sais pas pourquoi. Attendez, je vais essayer de voir. Ah, peut être fabriqué dans un mortier pilon. Ah, ok, ça se craft dans ça. Ah, super. Bon, bah, du coup, dans le prochain épisode, les amis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'avoir notre premier dinosaure. Du coup, on se craftera directement le mortier pilon. On se fera nos premiers narcotiques, le lance-pierre. Et on va essayer d'attraper un ou deux dinosaures pas très compliqués
pour ce début d'aventure. On essaiera d'agrandir la base. Et voilà, j'espère que vous avez kiffé cet épisode. En tout cas, dites-le moi dans les commentaires si vous avez kiffé. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et vous abonner sur ce Stedrix. À la prochaine.